Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Dis ta majesté s'élève. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Quelqu'un peut dire, Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en toute chose. The Bible says that we need to give thanks to God in all time and for everything. Nous devons retenir de ce Dieu là. We all have to bear in mind que il a dit je ferai de toi la tête. Our God said I will make you the head. C'est un faiseur. It's a maker. Faiseur de miracles. Miracle maker. Faiseur de choses inimaginables. Maker of bold things. Faiseur de grandes choses. Maker of good things. Entendez par faiseur, c'est un créateur. Saying that he's a maker, he's a creator. Il est celui qui crée. He's the one who creates. Et celui qui crée est différent de celui qui invente. And who creates is different for the one parlant who invents. Parlant des stylistes et des modélistes, on dit c'est un créateur de mode, etc. Fashion creator. Mais ils sont plutôt des inventeurs. But they are inventors. Le seul qui est le créateur, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. The God Almighty. C'est le Elohim. Le Elohim. Amen. Amen. C'est le El Shaddai, le Dieu omnipuissant. El Shaddai, tout-puissant. The omnipotent God. Le Dieu omnipotent. Il est capable Almighty de tout faire. God is able to do all things. Il crée. He creates. Inventer quelque chose. Inventing something. C'est une sorte de création, mais à partir de ce qui existe. It's a kind of creation, but from what exists already. D'accord. Okay. Amener quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe. Bringing something new from what is existing already. Mais quand on parle de Dieu, le Créateur. Talking about God, the Creator. Le Créateur. The Creator. C'est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé. Existence what never existed before. C'est celui qui crée. It's the one who creates. Ou qui fait exister quelque chose. Or bring into existence. À partir de rien. From nothing. À partir du néant. From nothing. Il envoie quelque chose. It brings something. Mais celui qui invente. But the one who invents. A besoin d'une substance. Needs a substance. Quelque chose qui existe déjà. Something which exists before. Ce qui fait la différence entre Dieu et les hommes. And what makes the difference et il restera God à jamais man. Grand. And forever, il sera toujours grand, fort et puissant. Always great and mighty. Parce qu'il est capable de Because créer. He's able to create. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. May his name be et blessed. À celui-là qui est notre Dieu et and notre Père. To the one who is our God and our Father. Nous sommes redevables. We owe everything. Nous lui devons beaucoup de choses. We owe him many things. Beaucoup de choses, c'est comme si on limitait les choses. Nous lui devons tout. We owe him everything. Nous lui devons notre existence. We owe him our existence. Nous lui devons le
souffle de vie. We owe him the breath of life. Nous lui devons la bonne santé que nous avons. We owe him the good health we si have. Si nous sommes riches, nous sommes aisés, if we nous are lui rich devons and cela. Comfortable, we owe him all nous that. Lui devons tout ce qui est bon. We owe him everything which is good. Même si nous survivons, even if we are surviving, nous lui devons cela. We owe him also that. Parce que c'est celui qui opère toutes choses because en nous. He's the one who makes everything c'est celui qui in fait us. Tout pour nous. La Bible dit qu'il est he tellement makes everything bon. For us. He's so good. Qu'il fait briller le soleil sur les bons et les méchants. So he's making the sun shining on good and bon. Evil people. He's so good. Il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. He brings rain upon the good and the bad people. Alléluia. Amen. Amen. La bonté de Dieu fait que Dieu est large. Il est bon envers the tout le monde. The goodness bon. Of God makes such a way that is so is good for everybody. On voit même qu'il fait prospérer même le méchant. He's even making the wicked prosper. Tout le monde témoigne que celui-là est mauvais. If everybody can testify tout le monde that this one il est méchant. Is bad and evil. Il y en a même qui sont wicked. Fiers d'être méchants. Some people are even proud to be evil and wicked. Et puis on voit une telle personne prospérer. We can see this kind of people prospering. C'est pas la bonté de Dieu. Les gens comme ça, ils meurent sur le champ instantanément. If not because of the goodness of God, such people will die right away. It's the goodness of God. Mais ce qui est bon avec Dieu. What is good about our God? Psaume 16, à partir du verset, au-delà de 31, vers 32, 33, là-bas, il dit, Psalm 16, Dieu réserve God keeps sa bonté, puis quelque chose de spécial pour ceux qui l'aiment is goodness et pour for the ceux one qui who le loves him and for a il y a quelque chose, il est bon envers tout le monde, il y a quelque chose he's qui donne à tout le monde, bon everything. Et méchant. He gives everything to God, même pour good le and juste people, et but pour for ses the enfants, righteous and his children, il y a quelque chose de spécial qui réserve. There is something special that he has set apart for et them. Et je prie qu'à compter de ce matin, and I pray that from this ce que morning, Dieu a réservé pour toi, God has set ce que apart Dieu for a réservé pour moi, God has kept for me, commence à se manifester. Alléluia. Manifesting. Ce que Dieu a réservé pour nous éclate à partir de ce matin. What God has set aside for us will shine from this morning. Que nous puissions expérimenter cela. That we may experiencing en cette fin d'année. In this end of year, et que nous puissions expérimenter cela plus. That we could be able to experience more l'année prochaine. The next year, et les années à venir. And the years to come. Qui a dit un amen? Who said, digne d'un enfant de Dieu. An amen worthy of the child of God. Alléluia. Amen. Nous savons tous que we all know that l'ignorance n'est pas une excuse devant la loi. Ignorance is not an excuse before the law. Tu as fait quelque chose de mauvais, on t'envoie devant le juge. You did something wrong and they brought you before the judge. Monsieur le juge, je ne savais pas. Judge, I didn't know. Ce n'est pas une excuse pour t'acquitter. It's not an excuse to release tu you. Tu ne savais pas, mais tu as enfreint à la loi. You didn't know, but you failed before et the law. Tu dois être sanctionné pour and cela. And you need to be punished for that. D'accord. Okay. Donc l'ignorance n'est pas une bonne chose. So ignorance is not a good thing. L'ignorance fait que nous ratons nos bénédictions. Because of ignorance we miss nous our blessings. Commettons des erreurs. We make mistakes. Nous ne saisissons pas les opportunités we qui sont devant nous. We cannot seize our opportunities before parce qu'on us voit ça comme une petite chose because inutile. Because we see them as small on things. On ignore ce qui est caché derrière qui est bon pour nous. We don't know what is hidden on behind ignore ce for qui us est dans dans l'opportunité. We ignore what is inside the opportunity. On foule au pied l'opportunité. We despise mais it. Quand tu as la connaissance, but when you have the knowledge, tu ne négliges rien. You neglect nothing. Tu ne méprises personne. You don't despise tu anybody. Tu ne méprises rien. You don't despise parce que tu anything. Sais pas because you don't ce que know Dieu va what faire God will do de la vie de ton voisin the life of your dans les heures qui suivent. In the coming tu ne sais pas ce que Dieu va faire de lui dans les jours qui suivent, qui viennent, dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc tu le prends au sérieux. So take him quand seriously, Dieu va changer son histoire, change story, tu fasses partie de son histoire. Part of his qui story. A dit amen, who said amen? Dis à ton voisin, je te prends au sérieux. Tell your neighbor, I take you je te prends trop seriously, au sérieux. Very seriously. Mais quand tu ne regardes pas, tu dis, je te but prends au sérieux. Don't look at him, ça ne compte pas. It doesn't matter. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Because there are things coming on the way. Quand la loi est brisée, when the law is violated, il y a les conséquences qui suivent. There are consequences. Nous ne devons pas follow ignorer en tant qu'enfants de Dieu. As children of God, we shouldn't ignore que ce que notre Dieu et notre Père céleste attend de nous. What our God in heaven is expecting from us. C'est notre reconnaissance. Is our thanksgiving. Quelqu'un répète avec moi à haute voix la reconnaissance.
Say thanksgiving. La reconnaissance. Thanksgiving. C'est notre action de grâce. It's our way to say thank you. Si quelqu'un peut dire avec moi l'action de grâce. Say thanksgiving. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement le psaume, non, Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc parce qu'il est ignorant. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, etc. Mais nous voulons retenir la première phrase. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. But we only keep the first verse. Amen. Amen. Qui nous dit que mon peuple est détruit. My people. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. My people are destroyed. Parce qu'il lui manque la connaissance. For lack of knowledge. Parce qu'il ignore ce qui peut faire sa bénédiction. Because he has no knowledge of what can bring his blessing. Ce qui because peut contribuer à son succès. He doesn't know what can bring his success. Et à sa réussite. And his success. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Donc le peuple de Dieu souffre tout simplement. The people of God is just suffering. Très souvent parce qu'il ignore beaucoup de choses. Very often because he doesn't know. To have Eve, ou bien la race humaine, or the human race, le diable a joué sur l'ignorance de Eve. The devil played with the ignorance of Eve. Dieu a dit à Adam. God told Adam. Tu pourras manger de tous les fruits, mais tu ne toucheras pas à celui-là. You cannot touch this fruit. Mais certainement que la femme n'était but pas là. But certainly the woman was not donc, around. Le serpent n'est pas allé vers l'homme. The serpent didn't go to the man. Qui avait la connaissance. Who had the knowledge. Il est allé vers la femme. He went to the woman. J'ai envie de dire qu'il avait la demi-connaissance. Who have knowledge. Parce que c'est l'homme qui a dû l'informer. Because the man told the woman. Comment lui a donné l'information? How he gave him that the je information? Sais pas trop. I don't know. Mais le serpent vient. But the serpent comes et il dit, and says. Dieu a-t-il réellement dit? God really said. Va jouer sur and he will just ce que la femme a entendu. What the woman de qui de l'homme? Comment? Avec sérieux ou bien la balancer juste la chose? Seriously or just say it like that. Donc, dans cette ignorance, j'étais pas là. I wasn't there. Sais pas trop. I don't know really. Et dit Dieu sait que si tu touches à ce fruit, si tu en manges, tu deviendras comme lui. God knows that if you eat that fruit, you shall be like him. Qui veut pas devenir comme who Dieu? Who doesn't want to be like God? Alors que c'était dangereux. Meanwhile, it was donc, dangerous. Donc l'ignorance de la femme so nous a plongé tous of the woman dans ce all que of nous us sommes. In what we are in the situation we are in now. Dans ce que voilà nous sommes aujourd'hui. Today. Mais grâce soit rendue à Dieu. But thanks to God, pour l'avènement de Jésus qui est venu renverser cette situation en notre faveur. Qui a dit Jesus un amen très fort. Came to change around this donc situation. Nous souffrons très souvent à cause de notre ignorance. We suffer because of our ignorance. À cause de notre désobéissance. Because of our disobedience. Et puis beaucoup d'autres choses. And many other things. Mais je voulais m'arrêter à l'ignorance. But I want to stop et puis à la désobéissance. And disobedience. J'ai dit la dernière fois. I said the last time. La Bible dit. The Bible says. C'est Dieu qui parle. God is speaking. Si vous êtes obéissant. If you are obedient. À ma parole. To my word. Et à mes ordonnances, mes commandements. And my commandments. Vous mangerez les meilleurs fruits. You shall fruits. Eat the best fruits. Vous aurez ce qui est meilleur. You shall have the votre best. Obéissance va vous conduire your vers l'excellence. Obedience will lead you to excellence. Votre connaissance va vous conduire your vers les bénédictions. Shall lead you to blessings. Mais ça veut dire que but votre ignorance va vous conduire dans le sens opposé. Ignorance will lead you to the opposite way. Votre désobéissance va vous conduire dans le sens opposé. You bring you to the opposite side. Donc beaucoup d'entre nous sommes responsables so many of us are responsible de ce qui nous arrive. Of what is happening in our lives, nous lives. Sommes responsables de ce qui nous arrive. We are responsible for what mais il y a is quelque chose qui us. Fait partie de l'être humain, du genre humain. There's something which is part of on human est prompt being. À indexer l'autre. We are really quick to accuse other people. Je ne suis pas allé à l'école, c'est à cause de mon papa. I didn't go to school je n'ai pas fait ceci, c'est à cause de ma maman. Je n'ai pas eu ceci, c'est à cause de mon mari. Je n'ai pas fait cela, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon collègue. C'est à cause de mon voisin. Because of my neighbor. Est-ce qu'il t'a mis un fusil sur la tête pour dire si tu ne fais pas, tu verras. A gun on your head and told tu you not to do suivi dans cette erreur. You followed him in that dans mistake. Cette tromperie. In that à cause de ton ignorance.
Because of your ignorance. Ou bien à cause de ton entêtement. Or because of your stubbornness. Si tu avais obéi à d'autres principes. If you had obeyed to other principles. J'aurais eu d'autres résultats. You had other results. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Balance la main si tu m'entends. Am I talking to somebody? Si tu dors pas encore, celui qui n'a pas levé la main, ça veut dire qu'il dort même en esprit. If you don't raise your hand, it means you are sleeping. Tout le monde dort pas. Amen. Nobody is sleeping. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Ma prière ce matin. My prayer today. C'est que toute forme d'ignorance. Any form of ignorance. Soit brisée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Broken in the life of everybody today. Ma prière c'est que toute forme de désobéissance. My prayer that any kind of disobedience. Soit arrêtée et brisée dans la vie de chacun de nous. Be arrested and broken in any one of us. Quelqu'un dit que les blancs disent. Somebody say white people say. Si tu veux cacher un secret. If you want to hide a secret. À un noir, on en Afrique, non, on parle de nous. To a black. Tu mets tout le secret dans un livre. You put all the secret in the book. Et puis tu lui offres. And you give the book to that person. Il peut te garder le livre là pendant des années. He can keep this book for you dans for un endroit years, sûr. In a il va jamais place, lire ce qui est dedans. And never read parce what is written in the book because he doesn't alors know. C'est en lisant, he doesn't like on reading. La connaissance, qu'on that s'instruit. It's by reading that we acquire knowledge. Donc tu te fatigues pas, faut pas cacher, faut pas l'enterrer ça quelque part. Don't bother yourself to hide or it anywhere. Put it in a book. Il y a trop de secrets dans les livres. There are so many secrets in books. Il y a des biographies que toi et moi nous devons lire. Ça va changer notre destinée. Ça va changer notre vie. There are some books we should read and it shall change our destiny. Il y a des livres, il y a des thèmes, il y a des livres, il y a des sujets que nous devons lire. Ça va changer notre attitude. There are topics we should read about and it will change our way. Même la parole de Dieu est capable de changer la vie et la destinée de quelqu'un. The word of God is able to change the life or destiny of somebody. Josué chapitre 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. This book of law shall never depart from your mouth. Médite le jour et nuit. Meditate on it day and night. C'est ainsi que and this is how tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. You shall succeed in everything you do. Toi et moi, you and I, nous savons comment c'est difficile de we lire know la Bible. How it is difficult to read the Bible. Il y a des gens qui sont ici, ça fait un an. People, in one year, from January décembre, to December, ils n'ont pas pris leur Bible personnellement. They didn't dire, take their Bible personally to say, I'll read a verse. Dans ton cœur, dis pardonne-moi, Seigneur. In your heart, say forgive faut me, Lord. Faut pas dire fort, faut pas dire fort. Don't say it loud. Dans ton cœur, dis pardonne-moi, Seigneur. In your heart, say forgive me. Amen. Amen. Il y a des gens. Some pendant people, que je parle, ils se souviennent. Ils ont médité trois fois au moins. Speaking, they meditated only three times. Dans toute l'année. 52 semaines, all the years, 365 jours. Weeks, c'est un goutte d'eau dans la mer. Days, it's a drop in the sea. Que Dieu nous aide. God help us. Nous devons aller vers où il y a notre bénédiction. We shall go il y a where notre succès, il y a notre réussite. Is our blessing and our success. Un chrétien, un enfant de Dieu, a child of God, doit être instruit. Un pasteur aussi. A pastor must be instructed. Dans plusieurs domaines de la vie. Faut pas dire que tu es pasteur. Don't la politique, say ça m'intéresse pastor, pas. I'm not interested tu dois avoir in une politics. Notion de la chose. You need to have an idea. Les finances, ça m'intéresse pas. I'm not interested in finances. Je fais quoi avec l'histoire? What am I going si to tu connais do pas bien l'histoire, ton message même ne peut pas être if efficace. Know, tu peux pas actualiser speak, les choses. Your preaching is not accurate. Il y a beaucoup de choses que je peux citer. There are many things I can on doit talk être informé about. Dans pas mal de domaines. You need to be informed. Même in si c'est une connaissance sommaire, c'est une connaissance. Even if it's a general knowledge, it's okay. Amen. 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 Touche ton voisin, dis à partir de touch your neighbor and say à qui est la connaissance? Acquire knowledge. À qui est la connaissance? Acquire knowledge. Dis-lui commence dans la Bible, commence dans la Bible. Start with the commence Bible. Dans la parole de Dieu. Start with the word of God. C'est le plus grand livre de tous it's les livres. The biggest big book of all years. L'homme ne vivra pas de pain seulement, man mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alone, but of every word proceeding from the word of God. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse from Genesis peut to te faire Revelation, vivre paisiblement sur cette terre jusqu'au retour de Jésus. A peaceful life on this earth until the coming of Jesus Christ. Le savoir-vivre s'y trouve. You know how to technique live. D'affaires, management, tout ça se trouve business, dedans. Management, everything is hidden in the on Bible. On peut citer beaucoup de choses. We can say many things. Acquérir la connaissance. Acquire knowledge. Juste insister sur ça et puis avancer. I will just insist on it and move on. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit Apostle Paul says, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Give thanks to God in everything. Ça veut dire que nous devons rendre grâce à Dieu dans les bonnes et les mauvaises choses. In good and in bad times. C'est pas dans les bonnes choses seulement. It's not only in good things. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
et puis tu chantes et tu danses quand tu vois, on sait que quelque chose s'est passé. When we look at you, we know that something happened. Mais tu rends jamais le témoignage. But you never give on a voit testimony. Ça seulement sur, dans ton we comportement. See it in your behavior. Non, on ne sait pas ce que c'est. But we don't know what it is exactly. Alléluia. Amen. Et le jour que les choses vont mal. And when things are bad. Tu peux pas dire merci, you Seigneur. You can't say thank you, Lord. Même si tout va mal. Even if everything is not going well. Tu m'as pas enlevé le souffle de vie. You didn't take away the tu breath n'as pas enlevé of life. Ma force. You didn't take away my strength. Tu n'as pas enlevé mon intelligence. You didn't take away my intelligence. Que ce soit les difficultés ou quoi que ce soit, tout est passager, tout passe. Everything is passing. Tout passe. Whatever, a good rien thing, n'est éternel. Nothing is eternal. Donc, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, no matter your condition, enfant de Dieu, child of God, tu es appelé à célébrer et à bénir le you Seigneur. Are called to celebrate and bless the Lord. Ton visage peut être serré comment? You may squeeze your face. Vous savez, quand on a faim, on ne peut pas tricher. So when you are hungry, you can't quand tu as hide faim, it. Même ton sourire, même even on s'est your smile, we know that something is not going well. Tu n'as pas mangé, ça fait des jours. You have not eaten mais où est ton days. Dieu là? But where is your quand God? Tu viens à l'église, il faut le louer quand même. When you come to church, faut lui dire him. Merci quand même. Say thank you. Et puis on chante le chant, ça il y a longtemps. We sing that song. Souris, Jésus t'aime, mon frère. Souris, oh, Jésus t'aime, alléluia. Elle dit, c'est trop vieux, qu'on n'est pas. Là, c'est dans le cas ferme, là, avant, c'était... Amen. Amen. Et puis maintenant, ton voisin te regarde. And et puis you tu souris. Look at him and you're not... You smile... On dit de souris, Jésus t'aime. You have a half smile on your face. Malgré moi. On ne sait pas si tu veux pleurer, tu veux faire quoi. We don't mais... know if you want to cry or. Alors, le pasteur dit, mais si je n'ai pas mangé, comment je vais sourire? But if I have not eaten, what can I, how can I smile? Ce sont des réalités. These are realities. Frère, il y a la faim et puis il y a la faim. There is hunger and hunger. Il y a différents niveaux de faim. There are different levels of anger. Tu as faim et puis tu tiens et puis tout you va bien. Angry, but you see, et puis il y a des moments tu as faim. You are tu n'as jamais vu tes intestins mais tu sens qu'ils sont en train de s'entremêler. Ça bouge. You feel they are moving inside of you. Est-ce que tu n'as jamais eu faim et puis tu es là on entend des bruits? You are, have you heard sometimes noise maintenant in il your parle, stomach. Il réclame, tu n'entends your pas ou bien? Your stomach is screaming. Don't you listen? Don't you hear your stomach? Que Dieu nous aide. Mais God la Bible dit but the Bible que ce says, soit dans cette situation-là ou une whether autre, in that situation or another ton appel, calling, tu es appelé à rendre grâce you are called à Dieu to give thanks en to God toutes choses, in all things, à le bénir. To bless him, parce qu'il a toujours because quelque chose qui he te has donne always something for you, qui est supérieur aux which difficultés is que tu traverses. Your, the difficulties you are going qu'est-ce qui a plus de valeur que la vie? What is more valuable than life? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici ce matin qu'est-ce qui est plus cher qu'une bonne santé? Morning, what is more expensive than a good health? Qu'est-ce que ta richesse si tu es constamment malade? What is your riches if you are always sick? Tu es appelé à avaler des comprimés à vie. You are obliged to swallow tablets le every day. Délai, on s'habitue pas à ça. You can't be accustomed to it. Tu es condamné à prendre ça. You are condemned to that. Tu dépenses pas pour you profiter de la vie, pour jouir de la to vie, enjoy life, mais pour essayer but to try de traiter quelque chose, to treat something, enlever quelque chose. To remove something. Quelle est cette vie-là? What is this life? Mais Dieu t'épargne de but ça. God is sparing you from alléluia. That. Amen. Dieu fait que tu ne vis pas ces choses-là. God doesn't allow you to go through that n'est-ce things. Pas une raison pour lui dire merci? Isn't it a good reason est-ce que tu to dois say te plaindre parce que should you complain tu n'as pas mangé because hier? You haven't eaten yesterday? Est-ce que tu dois te rébeller contre Dieu parce should que tu n'as pas pu acheter la voiture God que tu voulais acheter? You couldn't buy the car you wanted to buy? Est-ce que la mentalité de quelqu'un ne doit pas changer ce matin? Your mentality must change this morning. Frère, si vous étiez à l'hôpital cette semaine, if you were at the hospital this week, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des choses qui allaient être rafraîchies dans votre mémoire. Have a new mind. Some il y a des gens tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, some c'est people, de pouvoir s'asseoir pendant quelques minutes. They are just asking to be able to sit down. Ils peuvent pas. They can't do it. Il y a des gens qui veulent mouvoir leurs bras. Just want to move their arms. C'est fini, ça bouge plus. But it's all finished. They can't move it anymore. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Can you wave your hands? À volonté, regarde ce que tu peux faire. Look est-ce que tu peux la deuxième main? The second est-ce one, que tu peux remuer ta tête? Tout va can bien. You shake your hand? Everything is okay. Une acclamation pour dire merci au Seigneur just pour cette clap grâce. Offering to say thank you to the Lord. Le psaume 100. Psalm 100.
Le psaume chapitre 100, c'est ça? Oui. Psalm 100. David aussi, il a écrit. Hein? David, he wrote a lot. Oui, il a dépassé son papa. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into le micro de l'interprète. With singing. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. La technique, vous pouvez accélérer. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Qui a dit give amen? Give thanks to him, bless his name. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. For the Lord is good, his steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Il y a des contextes dans lesquels tu n'attends pas quelqu'un pour t'accompagner dans ton acclamation. Hein. Tu acclames toi seul. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Tu n'attends pas quelqu'un. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Moi, où je suis arrêté ici, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Each one of us knows what God has done for him or for her. Amen. Pour tout ce que Dieu fait pour nous chaque jour. For what God is doing for us every day. La Bible dit quand nous venons dans sa présence, nous devons pousser vers l'Éternel des cris de joie. The Bible says when we are coming into his presence. Il dit vous tous habitants de la terre, vous qui habitez encore la terre, il y a des gens qui ont quitté la terre il y a longtemps. Some people have already left the earth. You are still on earth. Que tout ce qui respire. Everything that has breath, praise loue the l'Éternel. Lord. Praise the Lord. Pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, for il all a fait that the Lord nous, has done or is doing for us, et tout ce qu'il fera, and all he shall do for us, servez-le sans murmurer. Il dit quoi? Serve him without murmuring. Avec with joie. Gladness. Amen. Amen. Ici là même, ici c'est pas, on n'a pas mis with joy en anglais, with gladness, avec bonheur. With gladness. Amen. Amen. Donc servez l'Éternel avec joie. Et venez avec allégresse dans sa présence. Come into his presence with singing. Quand tu viens dans la présence de Dieu, pardon, faut pas effrayer les gens. When you come in the presence of God, please don't frighten anybody. Faut pas faire peur à quelqu'un. Don't make. Faut pas faire comme si tu viens de perdre quelqu'un tout de suite là, alors que tu n'as perdu personne. As if you have lost somebody. Que ton visage soit illuminé. May your face be rayonnant. Shining. Viens avec la joie. Come with joy. On ne doit pas sentir que tu es dur. We didn't feel that it's hard for you. Tu peux montrer par toutes les grimaces que ça va pas chez toi, l'on fera rien pour toi. Even if you squeeze your face anyhow, nobody ça can do anything for rien. You. It shall not change anything. Regardez le mendiant qui vient. Look at the beggar who comes. Avec un bras comme ça. With a broken arm. Il est aveugle. He's blind. Et puis il fait son cou encore and comme ça pour mettre dessus. Il fait comme ça. Tout ce que tu fais pour lui, c'est combien? What? No matter what the beggar will do, how much are you giving him? C'est combien? 10 francs, ça existe encore. 25. 100 francs. Ça, c'est sans compter ceux qui ne donnent rien. Ceux qui ne sont même pas émus. Même. Donc, ça, ça and some people rien, don't ça. Even give anything. Because they are not moved by what they see. Qu'est-ce que l'on peut faire pour toi? What can men do for you? Dieu peut tout faire pour God toi. Can do mais all quand il fait pour toi aussi, but où est ta reconnaissance? For you? What is your thanksgiving? Combien de fois tu n'as pas pleuré, tu es allé chez quelqu'un, tu as expliqué toute ton histoire. How many times you went to see somebody, you cry and explain all your story il to that person. Il écoute ton histoire et puis à chaque after phrase, listening lui-même to dit, everything, oh, oh, he said, oh, hey. Mais dis donc. Hey, et puis toi-même tu donnes tous les say, secrets maintenant. You are giving all the secrets now because you think he's going to help comment? You. Comment? Hey, how? Tu as survécu à ça. You survived this. Toi là, Dieu est avec toi. No, God is tu with as vu you. Non? Oh, you see you. J'ai besoin de 200 000. I need il faut m'aider. 200,000 il dit si moi-même il t'explique pour moi. If I explain my own histoire, hein? He listens to your story. Moi, là, tu as quitté now, ici. If I explain my c'est own, c'est dur sur moi.
Pardon moi, actuellement, je n'ai pas encore payé ma rent. En t'écoutant tous les hauts, ah, il t'a donné les espoirs. Tu espérais, tu voyais la solution. Tu te voyais sortir avec un chèque. You were seeing coming out with a check. Mais des fois, même conseil qu'on te donne là. Even the advice they give donc, c'est ce que tu as fait. Mais toi, si tu es têtu, donc c'est ce que tu allais faire, et puis c'est arrivé. This is what you do, you did. So you are stubborn, eh? On va te sermonner pour mettre dessus. So they will talk on you. Mais regardez tout ce que Dieu fait pour look nous. At all what God is doing chaque for us. Chaque fois que tu dois entrer maintenant dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Anytime you enter in the house of God. En te souvenant de ce qu'il a déjà fait pour toi. Enter by remembering what he has done for you. Et pour ce qu'il est en train de faire pour toi. And what he's doing for you. Et puis commence à sourire. Begin to smile. Et puis commence à exprimer begin ta joie. Begin to express your apprends joy. Apprends à exprimer la learn joie. Learn to express the joy que Dieu te donne. That God gives to you. La satisfaction que tu as de lui. The satisfaction you have. Cesse de cacher God. Cela. Stop mais hiding extériorise. It. But express it loudly. Exprime cela. Express fais it. Du bien à quelqu'un. Montre good à quelqu'un to somebody, show somebody que Dieu fait du bien. That God is que good, Dieu est bon. Good, doing good for malgré you. Nos faiblesses God et nos good. Péchés, despite our weaknesses, il continue de nous faire du our bien. Sins, il is still doing good to il us. Continue de nous assister. He's still assisting us. Continue de nous soutenir. He's still supporting même quand ton meilleur ami t'abandonne, il te laisse tomber. You. Parce que là où tu es arrivé, because là, c'est quoi reached, c'est que l'ami qui est poisseux what comme kind ça. Of friend who is so poor c'est like toi this. Qui as crucifié Jésus. Is it you pourquoi King tout ça t'arrive why all on this commence à dire que si you? On continue d'être avec lui, because peut-être moi aussi, I, je serai contaminé. Et puis on t'abandonne. I'll have the same problem and they forsake you. Mais la Bible dit Jésus, Bible il est l'ami fidèle. Jesus is a faithful c'est quand friend. Tout le monde te laisse when everybody que lui, il trouve intéressant de s'approcher now de toi. He find it interesting to come c'est là to que you. Lui vient à ton secours. Now he comes to your, be your help. Comme le fou de Gadara. As the man of Gadara. On l'a attaché. On l'a abandonné avec bound. Les morts. And he was forsaken Jésus in the dit à ses disciples, allons de l'autre Jesus bord. Said, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Somebody needs me. Chaque fois que tu es seul, que tu pleures you are la nuit, alone and you are crying in the night, comment est-ce que tes larmes finissent par s'arrêter? How the, your comment tears tes larmes finissent par cesser? How do you stop crying? La grâce de Dieu te visite. The grace of God et ses flots d'âme s'arrêtent sur toi. Et tu stop. Reprends la and vie. You take, tu reprends toi. Et tu avances. Que le nom de ce Dieu-là soit béni à jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. May the name of the Lord be blessed forever. Sachez que l'Éternel est Dieu. Know that the Lord is God. C'est lui qui nous a fait. He is who made us. Je vous ai dit qu'il est le faiseur. He is a maker. Il est le créateur. He is a creator. Il est le faiseur de miracles. He is a maker, miracle faiseur maker. Faiseur de destinée. Destiny tu es faiseur maker. De destinée. Est-ce que quelqu'un veut l'inviter? Viens et change ma destinée. Ma destinée. Aujourd'hui. Oh, invite-le, invite-le. Viens et change ma destinée. Ma destinée. Aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui donner la louange? Ton nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Tu es faiseur de destinée. Oh, ton nom est Yahweh. Oh, lève ta main, dis ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oh, ton nom est Yahweh. Tu es faiseur de destinée. Ton nom est Yahweh. Est-ce que vous savez que chacun de nous ici a une histoire? Do you know that each one of us here we have a different story? Que ton voisin le veuille ou non, tu as une histoire. Whether your neighbor wants it or not, you tu have a story. Tu viens de quelque part. You come from somewhere. Et tu ne savais pas que tu allais réussir un jour. And you didn't know that you would succeed one day. Tu ne savais pas que tu allais avoir même you didn't un know that you would have even a place to sleep. Un studio. Studio or whatever. Tu ne savais pas que tu allais you avoir même ne serait-ce qu'un petit boulot. You had even a small job. Mais Dieu t'a surpris. But God surprised you. Dieu a créé des voies God et moyens devant toi. For you before des you. Chemins devant he toi. Makes ways tout before tracé. You. Tu ne savais même you pas pourquoi tu empruntais ce chemin. Mais lui l'a tracé. But he made the et way. Le chemin que tu empruntais t'a été favorable. Was good for you. Au détriment de tes détracteurs. Despite your
de tes ennemis. Despite your adversaries. Il y a des gens qui ont parié sur toi. Lui, il ne peut pas arriver quelque part. C'est moi qui te dis ça. Je l'ai gâté auprès du patron. Je l'ai sali auprès du patron. C'est une question de jour. Sa lettre va tomber. Et puis Dieu change toutes ces manigances là en promotion. Oh, là où les gens t'ont rejeté, le Seigneur change ce rejet en une nouvelle direction pour ta vie. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je veux te parler aujourd'hui. Regarde l'accident que tu as frôlé. La maladie que tu as eu. Cette maladie-là t'a pas retenu. Elle n'a pas pu te tenir captive. She couldn't hold you captive. Dieu t'en a délivré. God has delivered you. Cette semaine qui est finie aujourd'hui a commencé lundi passé. We started on last Sunday. Donc l'autre semaine. The other week. Parlant du dimanche, à partir du dimanche surpassé. The two Sundays before. J'ai ma fille qui était malade, ma petite la dernière. My daughter, the youngest one was sick. Donc toute la semaine surpassée, so du lundi. Last week from Monday. Au lundi qui a suivi qui était férié, elle n'est pas allée à l'école. She didn't go to school. Elle n'a jamais de toute sa vie été malade de cette manière. She has never been so sick in all her life. Au point où in such a way elle that ne peut pas s'arrêter. She couldn't even stand up. Elle tombe. She falls. Elle a mal ici, tu peux pas la toucher. You can't touch her. Brûlante. She's hot, boiling. Pour être honnête, ma femme est là, je peux pas dire autre chose. J'ai my commencé wife à perdre is la here. Voix. I can't say so many things. Mais elle, we started losing our faith, but she. Sereine à l'extérieur, mais à l'intérieur, je ne peux pas dire. Quite outside, but inside, I can't say. Continuer son traitement. She was going through a treatment. C'est qu'elle faisait. J'ai dit non, on l'envoie à l'hôpital. So I said no, let her bring her Dieu to hospital. Dieu ne voulait pas. But God didn't want us to bring her que to hospital. Non, il dit cette année je vous garderai. No, this year I will keep vous n'allez you. Pas dormir à l'hôpital. Do not sleep at hospital. Vous n'allez pas être hospitalisé. Not hospitalized. Et maintenant le dernier now, mois. Now the last month. Ça voulait arriver. It was about to come. Mais l'Éternel n'a but pas voulu. But the Lord didn't want it. Il a dit dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sa parole s'est confirmée. Sa parole s'est réalisée. On a eu peur. Elle n'avalait rien. She couldn't swallow anything. En trois jours, in three days, elle a fondu comme du beurre she au soleil. Lost her, all her weight. She was like butter in the sun. Et ce qui était grave, elle a noirci. And she became parce black. Te lave, comment qu'est-ce qui se passe? But we are washing you. What is going qu'est-ce on? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? What is going on? Hallelujah. Amen. Mais l'Éternel l'a épargnée du plan de l'ennemi, from the plans du of the plan enemy, de la nature, from the plans of ou bien the nature, de l'ironie du sort. Of what L'Éternel l'a préservée et l'Éternel l'a délivrée. Elle est guérie. She's healed. Elle est en bonne santé. She's in good health. Et elle continue de nous faire peur we are still parce afraid. Qu'elle mange because comme she's un taureau. Eating like a bull. Elle est en train de rattraper les temps she's, perdus. She's elle prend la recovering rue. All the time she has lost. Ouh, ça sort. Elle prend les médicaments, she ça sort. Donc comment tu vas guérir? Medicine, she vomits. Si tu prends pas les médicaments, if you don't take any medicine, how can et puis you qu'elle vomit, elle vomit bien. And she vomits elle vomit well. Tout. She vomits ça all. Fait peur. Tu entends le bruit? Tu you dis quoi? Les intestins vont sortir. The intestines are going tu to commences come à ordonner aux intestins you, rester en place you au nom de Jésus. The intestines stay in your place. Un petit enfant comme ça qui peut même pas bien exprimer ce qu'elle ressent. A small child who cannot even express what she's feeling. Dieu nous a fait grâce. God has been good. Dieu nous a fait grâce. God has been good. L'a ramené à la vie. He brought her lui a donné back une bonne santé. Gave her a good health. Tu comprendras pas bien ce que je dis parce que because tu n'as pas vécu cela. You don't understand mais je sais ce que l'Éternel a fait pour moi. Et je me tiens devant vous ici. Je lui dois trop you. De choses. And I owe him so je lui dois I beaucoup de choses. Many things. Je lui dois la louange. I owe him je lui dois l'adoration. I owe him worship. Je lui dois la gloire. Glory. Je lui dois l'action de grâce. Je lui dois tout. Pour ce qu'il a toujours fait pour for moi. Y compris ce qui vient d'arriver. Including what just j'ai happened. Eu témoignage I have a testimony des enfants from children. Comme de grandes personnes. Adults. On parle de coups de maladie, n'est-ce pas? They un jour, one day, ça n'est fini. It's over. Trois jours, vous n'êtes three pas témoin days. De ça? Ça n'est fini. It's over. Il y en a même, ils ont some un peu people, de grâce. Une semaine. One week, ça n'est fini. And they are gone. Mais alléluia. But nous, on alléluia. A vu des choses. We have seen ou à 4h du matin, on dort tous. Three, et puis l'enfant est en train de rentrer. Four, vous pouvez s'étouffer. Vous êtes d'accord avec moi? But the child
can be. Et moi, je dormais comme je sais pas quoi, je n'ai rien entendu. But I was sleeping. Mais dans ça, Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. God protected her and God que l'Éternel qui t'a préservé, qui t'a délivré du mal, soit honoré, alléluia. Soit honoré par toi. Il reçoit le fruit de tes louanges. Let him receive the fruit of your le fruit de ton adoration et le fruit de tes actions de grâce. Je vous ai entendu quelqu'un acclamer ce Dieu là. Clapping this morning for that God. Le Seigneur nous exhorte aujourd'hui, il dit, entrez dans ses parvis, dans ses portes, avec la louange. With praises. Venez avec toutes sortes de louanges dans la maison come de Dieu. With all kind of praises ne, in the house of God. Ne venez pas n'importe comment don't dans la maison de Dieu. Anyhow in the house c'est of God. Un lieu saint. It's a holy place. C'est un lieu sacré. It's a holy place. Il dit, venez, ne venez pas come. Avec négligence. Don't come neglectly. Ne venez pas de façon désinvolte. Don't come anyhow. Ne venez pas mal habillé. Don't come when you are not présentez-vous bien. Present yourself well. La Bible dit, the Bible says, prosternez-vous devant lui. Bow before avec him. Des ornements sacrés. With a holy garment. Qu'est-ce qui est sacré? What is holy? Qu'est-ce qui est ornement et paru? What is garment? Nous avons de l'or. We have gold. Alléluia. Amen. Donc parez-vous bien. Put your gold on you. Portez des choses de valeur. Wear valuable things. Et puis venez vous coucher dans la poussière devant lui. Pour lui donner toute la gloire, l'élévation et l'honneur. The glory. Parce que ces choses n'ont pas de valeur devant lui. All these things lui a plus de valeur value. Pour vous. He has more value for you. Que ces choses-là. Donc venez dans ce portail. Quand vous traversez when you are crossing le seuil de ce portail, the gates of this place, le seuil de cette tente, of this tent, que votre attitude change, may your attitude que change, notre attitude change, our attitude change. Commençons à devenir rayonnants. Begin to shine. Commençons à chanter. Begin to sing. Si nous étions de mauvaise humeur, que nos mood, humeurs changent. May our mood change. Si on était fâché avec if quelqu'un, we angry with somebody, on commence à pardonner avant de rencontrer la personne. To forgive that on laisse person. Tout tomber. Let drop. Alléluia. Amen. Si on avait des fardeaux, if you have any quand burden, on vient à sa présence, when you come into his il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car and lui-même prend your soin de burden, vous. Because he's taking care of you. Décharge-toi. And tu portes tout ça pour quoi? Why are you carrying all this? Libère-toi. Release et puis yourself. Offre une bonne adoration au Seigneur. And render a good worship et to the Lord. Et puis offre un bon culte. A good service. Un culte agréable. A pleasant service. La Bible dit ce qui sera pour vous de votre part un culte agréable the Bible à said Dieu. That will be a reasonable service. Est-ce que tu offres un culte agréable are à you Dieu? Offering a pleasant service ou bien to God? Tu offres un culte tout court à Dieu? Or just a service to God? En venant en retard, en manquant by l'adoration, late, by missing en manquant the worship, and by missing tu ne sais the pas ce praising, que tu rates dans you ta don't vie. Know what you are missing in your life. Tous les jours que Dieu te every donne. Day that God is giving chaque to you. Jour que Dieu nous donne every est une opportunité. God gives us is an opportunity. Chaque jour que Dieu nous every donne est une nouvelle God occasion pour faire quelque chose. Opportunity to do something. C'est pour ça que Dieu nous donne toujours God, un nouveau jour. God gives us always a new les day. Les bontés de l'Éternel ne sont the pas épuisées. Of the God has not. Aidez-moi. Aidez-moi. Mais elle se renouvelle. Acclame le Seigneur pour elle. But they are renewed every day. Elle se renouvelle. They are renewed every elle day. Se renouvelle. They are renewed every chaque day. Matin. Every morning. Si une année compte 365 jours, in je year, peux vous dire que I Dieu can tell you that God a dans sa réserve in his stock plus de 365 bénédictions, one, 365 grâces et faveurs pour chacun de nous. Chaque jour, il a une nouvelle grâce. Chaque jour, il a une nouvelle faveur. Chaque jour, il a une nouvelle bénédiction. Chaque jour, il a une nouvelle bonté. Pour toi et moi, for you and me, les bontés de l'Éternel the ne sont pas épuisées. Goodness of God has not finished. Que son nom soit béni. May his name regarde, be blessed. Look, évalue, and value, réalise ce que Dieu fait pour toi. Consider all that God has done for you. Ne sois pas dans l'euphorie de don't vouloir avoir de nouvelles excited, choses. Wanting to have all these calme new things. Toi. Calm down. Et puis commence à penser à ce qu'il a and fait begin pour toi. To contemplate all that maintenant. He has done and he's still doing for you. On peut te dire que la maladie que tu as là, they can tell you that the sickness tu n'as you have, pas beaucoup de joie à vivre. You don't have much days to ça live. Fait combien d'années on t'a dit ça? How many years, for how many qui years t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui? Who supported you until today? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Il y a un verset dans le psaume qui dit, there's a verse in the psalm saying, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant ta face. Tu verras en adorant combien le nombre en est
grand. Count si tu ne peux pas God. Compter, tu ne peux pas voir ce que Dieu If a fait. If you cannot count, you cannot Assieds see what God commence à compter. Sit down and begin to count. Commence à compter les opportunités qu'il t'a données. The opportunities he has given to you. Combien de fois tu as échappé à la mort? How many times you escaped death? Accident. Accidents. Et à des maladies graves. And even sickness, serious sicknesses. Il y a des gens ici. Avant de connaître Dieu, there are some people before knowing God. Vous avez tellement gazé, il y a plus de gaz en vous. You have so much exhausted your life. There is no more fuel in your Votre life. Votre gaz est fini. Your fuel is over. C'est qui vous maintient maintenant là? What is sustaining C'est you now? C'est le gaz du Saint-Esprit. It's Sinon vous-même, il y a plus de gaz naturel. The fuel of the Holy Ghost, because it's new. There is no more natural fuel. Femme comme homme, vous avez fait tellement de vilaines choses. Man or woman, you have done tellement so many bêtises. Wicked things, so many things. Ça veut dire que depuis, vous devez être mort du sida. You should have been dead of HIV Ou for a long du cancer. Time. Of cancer. Tes amis avec qui tu as fait Your ça. Your friends ils sont who morts. Were with you when you were doing those bad things, they tu were there assis, dead. Si. But you are ça c'est pas here. Une grâce ça. Is ça c'est pas une bénédiction. Ça c'est pas un miracle. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Is it not a blessing? Tu sais que tu as eu une aventure avec X. You have an adventure with somebody. Deux ans, trois ans après, tu apprends que la personne est décédée. Two years later, you hear the person is dead. Comme c'est un proche, tu vas à ses funérailles. Because he's a close, you go to his funeral. Arrivé là-bas, on dit. And they tell you. Sida là. It's Edzo. Qui avait Sida là? Who had AIDS? La personne qui est. The one who is dead. C'était depuis quand ça? Since when? Toi-même, tu commences à faire ton analyse. Now you come analyzing yourself. Tu commences à faire comment on appelle your calculation. Le test là, comment on appelle ça? Le test, voilà. Tu commences à faire ton test toi-même. Doing your own test now. Depuis l'année passée. Since last year. Ou bien ça fait deux ans. Ou bien 2 years ago. Seigneur, pardonne mes péchés. Oh Lord, forgive my sins. Si Dieu t'avait pas pardonné, même peut-être vos cercueils seront parallèles. Forgiven you, your old coffins will be. Mais regarde ce que Dieu a fait. Side by side, but look at what God has done for you. Amen. 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 Ce que tu dois apprendre, What you need to learn, la reconnaissance à Dieu. Thanksgiving to God. Il y a des choses que tu désires. Some things you are desiring. Tu n'as pas encore eu. C'est you français, non? Got them already. Pas que tu n'as pas eu. C'est pas not, encore fini. Not you haven't got Donc, them. Donc il y a la vie, il y a l'espoir. As long tu as there is love, there is hope. We have not yet got c'est them. C'est une question de temps. It's a matter of time. Et il y a un adage en anglais qui dit the best is yet to come. Et il y a quelqu'un qui dit le meilleur est à venir. Le meilleur, ça est devant. The best is to come. Il y a des nouvelles choses qui ne sont pas encore sorties. The new things that have not yet been invented. Dieu attend que ça, ces choses-là sortent pour te donner ça. Those things to be invented to give them Comme to ça, you. Ta bénédiction Because sera différente de ma now bénédiction. Your blessing will be pour different moi, on aura vieilli. My pour toi, sera old, encore frais. But your blessing will be new. Est-ce and que fresh. Je parle à quelqu'un? Am I talking to Dieu somebody? N'a oublié personne. God has not forgotten anybody. Dieu n'a oublié personne. God has forgotten nobody. Dieu se souvient de God tout le monde. God remembers everybody. Je voudrais que ce matin. I would like this morning. Tu gardes dans ton esprit. You keep in mind que tu dois être reconnaissant that à Dieu. You need to be thankful tu dois louer to Dieu God. En tout Praise temps. God in Dieu all peut things. Tout faire. God can do everything. Rien n'est impossible Nothing à Dieu. Is impossible to God. Mais il y a certaines choses But que Dieu ne peut pas faire. God cannot do. Il ne peut pas pécher. He cannot sin. Il est saint. He is holy. Il ne peut pas pécher. He cannot sin. Et depuis que Dieu a créé l'homme, And since God created man, Dieu ne peut pas se louer. God cannot praise himself. Quand il n'avait pas encore créé l'homme, When he didn't create man, il s'appréciait lui-même. He was praising himself. Il se louait lui-même. He was praising himself. Dieu vit que cela était bon. God saw that this one was le premier good. Jour. Le deuxième First jour, Dieu day, vit que cela était bon. God Jusqu'au saw cinquième that jour. Until le sixième jour, the sixth day, quand il a créé l'homme, when he created man, Dieu vit que cela était God très saw that this bon. Was very good. Mais après tout ce But qu'il a fait, all that he has il ne s'est plus apprécié parce he que c'était le devoir de l'homme because it was now the duty d'apprécier of Dieu pour ce qu'il fait. Par sa louange, by his praise, par son adoration, by his worship, par son service, by service, par ses actions de grâce, thanksgiving, par ses holocaustes, the sacrifices, holocaust, par ses sacrifices, by his sacrifices, et par ses offrandes, by, and by his exprimer, express, démontrer son amour et sa reconnaissance, demonstrate his love and thanksgiving and pour son Dieu. For his God. Donc ce que Dieu va jamais se faire. So what God will never do for himself. Il va jamais dire je me loue, je suis grand. He will never say I'm praising myself. Comme I'm je so suis big, magnifique. I'm so wonderful. Il va faire des choses dans ta He vie. He will do things in your life. Il va te laisser le soin de le faire. Lead will lead you to praise ce him. Ce qui va te faire avancer dans what la vie. What will make you go forward in life. Ce qui va te faire progresser dans la vie. What will make you progress in life. Ce qui va faire que ta vie ne soit pas stagnante. Your life not to be stagnant. C'est ton action de grâce. It's your thanksgiving. C'est ta louange. It's your praise. C'est ton adoration. It's your worship.
ce qui a fait toute la différence dans le ministère de David. What made all the difference in David's ministry? Dans la vie de David. In the life of David. Par rapport au ministère des autres qui l'ont précédé. Compared to all the people that were ou qui sont venus après lui. Ahead of him or went after par him. Par rapport à la vie de ceux qui l'ont précédé. Compared to those who were ahead of him. Ou qui sont venus après lui. Or came after him. C'était que il savait faire des actions de he grâce. Knew how to praise and give thanks to God. Dieu. He knew how to il worship. Savait le louer. He knew il ne jouait to praise. Pas avec son adoration. He wasn't joking il prenait with his pas worship. Cela à la légère. He didn't take it lightly. Il prenait cela au sérieux. He was taking it very seriously. When he praises God, he praises Bible, well. Danser au point où son vêtement royal tombe. In such a way that his royal sa femme a honte à sa place. His wife was elle est gênée ashamed. À sa place. She was annoyed for him. Mais lui n'est pas but gêné. He was not parce qu'il fait ça pour Dieu. Because he was doing it for God. Il y a des gens qui ont fait pire que ça dans les boîtes de nuit avant de connaître Dieu. In nightclubs before knowing God. Pour Dieu, now doing it for God, they do calculations. Que Dieu ait pitié de toi. May God have mercy. Et qu'après ce message qui te délivre, after this mercy, que tu n'aies plus honte de faire certaines choses dans so sa maison. So you not be ashamed anymore David, to do it in his house. Pour exprimer sa reconnaissance, to express his à son Dieu, acknowledge to his thanksgiving to God. Il va acheter des bœufs. He will go and buy oxen. Du bétail. On dit c'est le roi David. Oh, it's the King David. On te donne cadeau. Oh, we give it to il you dit, free. Je ne donnerai no, pas à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me coûte pas. God, what will not cost me. Il dit, fais-moi un prix. Give me a price. Si c'était pour moi, mais il n'y a pas if de problème. For me, mais c'est pour mon Dieu. Is for my God. Je veux sentir que je lui donne quelque I chose. Want to feel that je veux que quelque chose sorte de moi. I want something to come out from fais-moi from me. Un prix. Give me a price. Lui fait un prix, il achète. He buys it. Il prend les meilleurs produits. He takes the best products. Et il apporte à l'Éternel. And bring them to pour the Lord. Pour ce que Dieu a fait pour lui. For what God has done for him. Un broussard. A man for the bush. Qui se retrouve au palais. Who is now in the palace? En train de diriger une nation. Leading the whole nation. Si ce n'est pas toi, Seigneur, if not God, cela n'arrivera jamais dans ma destinée. This will never happen. Je veux être reconnaissant. I want to be thankful avec tous les biens que tu m'as donné. All the good things je veux rien garder pour moi. I want to keep nothing parce que for le jour où je mourrai, je n'emporterai rien avec moi. Ce serait du gâchis. Il y a des gens qui n'ont pas lutté pour avoir. Some people never ils ne savent pas comment j'ai fait pour avoir. They don't know how I got it. Ils vont venir prendre aussi. Come and take also. Je préfère te donner. I prefer give il y a des gens you. Peut-être vont frapper some ma femme. Will beat mes enfants. My wife or my faire children. Fétiche contre eux pour les tuer, pour do arracher tout cela. To take je préfère partager cela me, avec toi. I prefer to avec share que it ta with grâce qui est sur moi. Continue de reposer sur ma femme. Continue sur mes enfants upon et wife, mes petits-enfants de génération en génération. Je t'apporte ce qui m'est cher. Souvent, sometimes, on dit on aime Dieu. We say we love mais God. Les billets qu'on nous refuse à la boutique. The, c'est ça on envoie à l'église on met dans le panier. They refuse to take by at the Mauritanian. On voit plus le this numéro. On voit plus church. La photo. On we sait pas si c'est un billet. Picture, on sait pas ce number, que charbonnier s'est passé. We don't know if it's a note. Ça, of, Dieu c'est la poubelle. Il God bon is pour a lui. Trash. Faut it's good for him. Respecter Dieu, honore Dieu. God on honor God. On peut même pas dépenser ça souvent. On sait pas où envoyer ça. Sometimes we don't even know where to spend this money. Il dit je ne donnerai pas un animal borgne pardon au Seigneur. I will not give a blind animal. Qui est cassé? Je regarde parmi mes poulets là pour le sacrifice. I look into my chicken for the celui sacrifice. Qui a grippe aviaire. The one who has grippe aviaire. À I will give it to God. Non. No. Mais je prends le meilleur. I take the best. David n'a jamais perdu de combat. God, David never lost malheur, any battle. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent many le juste. Many are the afflictions of the righteous. Dieu l'en délivre toujours. But God delivers them from c'est all. C'est David. Is David. Toujours attaqué. Always attacked. Jamais vaincu. Never defeated. Par la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. By the grace of God upon his life. Il tombe souvent. So at times il a des faiblesses. Il tombe dans le péché. He has some weaknesses. He can jamais abandonné de Dieu. Never God parce qu'il sait toucher le cœur de Dieu. Because you know how to touch the dans heart of God. Ce que tu dois connaître. What you need to know. Ce dont tu ne dois pas être ignorant. Or you didn't be, to be ignorant. C'est que l'action de grâce. Thanksgiving. Est l'accès. Is access au cœur de Dieu. To the heart of God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to la someone? Reconnaissance giving thanks est le secret, is the secret du cœur de Dieu. Of the heart of God. La louange, l'adoration, praise and l'action worship. De grâce. Jésus a guéri 10 personnes, un seul est revenu. Jesus healed 10 lepers, only one il came a fait back. Quoi avec les autres? Mais il demande. But he asked. N'étiez-vous pas 10 à were you not 10 to be healed? Où sont les 10 where autres? Are the 9 others? Je n'attendais que I was just merci waiting, Seigneur d'eux. Thank you from je them. N'attendais que gloire à Dieu de leur glory part. To God from où sont-ils? Where are they? Il dit va ta foi he t'a sauvé. Your dit que les autres même la scène partie ils ont eu. The mais l'autre they sa reconnaissance but the last lui a donné la restauration totale. La libération totale. Complete freedom. L'action de grâce dans le christianisme.
in Christianity, dans le royaume, in the kingdom a of beaucoup God, plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Has more value than anything ne joue else. Pas avec ton action Don't de grâce. Play with your thanksgiving. Regardez la force des miracles Look at de Jésus. Pour multiplier les pains, il n'a pas fait une prière Jesus. D'autorité. To multiply the bread, he didn't pray with authority. Mais il a fait une prière d'action but de grâce. He made a prayer of thanksgiving. Seigneur, comme je me suis offert à toi, the way I offered myself comme un sacrifice, as a living sacrifice, je te rends grâce de ce que tu multiplies because you are multiplying this il a bread. Déposé. Dieu s'est manifesté. God manifested himself. Dieu siège dans la louange de son peuple. God sits in the praise of ça veut dire quoi? People. What does it mean? La louange attire Dieu. Praise attracts God. Dieu répond à la prière, mais la prière n'attire pas Dieu, mais la louange, l'adoration attire Dieu. Praise and worship attracts God. Nos offrandes, nos actions de grâce attirent la présence de Dieu. Our offerings and thanksgiving et quand Dieu s'approche de nous, when God comes close to us, il change les choses. He will change everything. Il améliore notre vie. And il bouleverse our life les choses. Better. It touches, it changes. Alléluia. Amen. Chaque fois que Christ a rendu grâce, anytime Christ Dieu est descendu. God came chaque down. Fois que Dieu anytime. Descend, les choses bougent dans Things nos vies. Les choses avancent dans notre vie. Things go forward in our lives. Ma prière, my prayer, c'est que l'action de grâce Thanksgiving soit un mode de vie pour toi it à partir d'aujourd'hui. A way of living for you from today. Tu ne regardes pas à quelqu'un. Don't look at anybody, mais tu regardes à Dieu. But look at God. Tu ne donnes pas à quelqu'un. You are not giving to mais anybody, tu donnes à Dieu. But you are giving même to quand God. Tu donnes à un malheureux dehors, what you are giving c'est to a à Dieu que outside, tu donnes. Giving to God. Quand tu donnes à une nécessité when dehors, you give to a somebody c'est in need, à l'éternel que tu donnes. It to the Lord. Et chaque fois que tu donnes anytime à Dieu, you give to God, tu l'attires davantage. You attract him more. Tu le rapproches davantage you de toi. Bring him closer et tu te to rapproches life. Davantage de lui. Alléluia. Ne joue pas avec ton action de grâce. Ton action de grâce est ton offrande. À Dieu. Your offering to God. C'est l'offrande the d'une louange of our praise qui sort coming des lèvres out pures. Of pure lips. C'est l'offrande the offering d'un don of a gift qui vient d'une main généreuse, coming from a generous hand qui vient d'une main of a pure, pure hand qui vient d'une poche que le Seigneur a bénie, from a pocket which has been blessed, d'un compte que le Seigneur from a touché. An account that God has touched. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? C'est quelqu'un, c'est quelque chose que nous faisons de tout notre cœur. We do it from all our hearts. Et Salomon a appris and ça de Solomon son père. Learned it from his father. Et il a dépassé son père. And he went beyond là où son père his a donné father. 1000 bœufs. When his father gave 1000 oxes. Lui il en a donné 10 000. He gave 10,000. Là où son père a donné 10,000 moutons. When his father gave il en a donné 100,000. He gave 100,000. Nous sommes témoins que Dieu ne l'a jamais abandonné. We are witness that God never forsake him. Son père a eu toujours des guerres. His comme ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. They will make you war, but they will, mais lui n'a jamais eu une seule guerre. But he didn't have one war. L'action de grâce te fait gravir les niveaux des échelons. Make you to go higher and higher and ce n'est higher. Pas gratuit. It's not free. Ce n'est pas pour enrichir celui to enrich à qui tu donnes. Au dehors, comme l'orphelinat, comme l'église. C'est pour toucher le cœur de Dieu. Et c'est pour attirer les faveurs et les grâces et les bénédictions de Dieu dans ta vie. C'est pour attirer la présence de Dieu pour te couvrir. À partir d'aujourd'hui, que toi et moi, nous soyons de vrais adorateurs. Ceux-là qui font des actions de grâce. Ceux-là qui offrent leur cœur à offer Dieu. Their heart to God. Ceux-là qui offrent leur vie offer à Dieu. Their life to God. Quand tu offres ta vie à when Dieu, tu n'offres plus ta vie God, au diable. You don't no tu more offer your life to the devil or to men. Comme une prostitution. Like a prostitution. Mais parce que elle appartient maintenant but à Dieu. Your life c'est now consacré. Belongs to God. Soyons de ceux-là qui, quand il veut let's dépenser be, leur argent. Like people when they want to spend their ce money, n'est pas dans le monde. Not, they will, ce not n'est pas dans des choses viles. In void things. Et puis des gaspillages. Or waste. Mais nous sommes ceux-là qui dépassons dans la maison de Dieu pour investir in the house of God pour que le royaume de Dieu avance, pour que la maison de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que je ne veux pas voir l'œuvre de Dieu mourir. Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes. C'est une forme d'action de grâce dans la maison du trésor pour ne pas que le pain manque. Bread will lack. Lisez votre Bible dans Malachi 3. Verset 10. Bible in Malachi 3. La nourriture ne doit pas manquer dans la maison de Dieu. Food, ça veut dire Dieu ne se soucie pas si la nourriture manque chez toi. House of God. Mais ça ne doit pas manquer dans sa maison. Maintenant, mets-moi l'épreuve. Tu verras si la nourriture va manquer chez toi. Put me at test and you will see if food will lack in your rien house. Rien ne doit manquer dans la maison de nothing Dieu. Nothing should lack in the house of God. On ne doit pas avoir problème d'électricité. We didn't have any problem of electricity. Et puis beaucoup d'autres choses. Or many other things. Il doit avoir la
abondance dans la maison de Dieu. Have abundance in the et ça, c'est ta responsabilité. And it's your duty, it's your tant qu'il y a l'abondance dans la maison de Dieu, Dieu se charge d'apporter l'abondance dans ta vie, abundance dans ton grenier, dans ta destinée in your destiny, et dans ta famille. And in your family. Sois prompt à offrir à Dieu be always une louange, to offer to God a praise, une offrande, an offering, un holocauste, un sacrifice, a sacrifice, de l'argent. Money. Sois prompt à offrir à Dieu. Be always une voiture. Willing to offer God de mission pour le service de Dieu. Everything for the work of God. Non, fais pas everything. Une voiture. Non, j'ai pas entendu. Mais d'accord, une voiture. Une voiture, a car for the sois prompt of à offrir une maison. Be ready to offer a house. Sois prompt à offrir un terrain. A land. À Dieu. To God. Parce qu'il y a des gens qui le font pour une petite fille. There are some people qui that do it for une nuit. For a small girl who gave them une satisfaction nuit. For one night. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? God, what plus qu'une God nuit. Didn't do for your for plus you qu'un jour. More than a night. Mais tu réfléchis, calcule d'abord. You but you make calculation. Mais la petite fille là t'a envoûté, tu calcules but plus. Quand tu as fini de donner, tu as mis son nom dedans, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? This tu as fini small de girl faire. After she finished with you, you give her mais a tu n'as car, pas fait pour check. Ton créateur. Tu vas rendre compte à Dieu parce que tu fais but pour des you bêtises. You can't do it for your creator, but you give account to God. Ça nous paralyse. This paralyzes us. Il y a des gens qui viennent à l'église. There are some people who come to church. Ils donnent 1000 francs comme offrande. They give 1000 as of offering. Mais ils ont une passion, c'est le football. But their passion is football. Ils sponsorisent une équipe de football. For a football le jour team. Que tu n'as plus rien, l'équipe peut the rien faire pour toi. Maintenant tu cours vers Dieu. Team cannot do qu'est-ce anything que tu for peux you. Dire à now Dieu? You come back to God. What can you say, le God? Centenier qui te parle, la Seigneur, écoute-le, celui qui the one a bâti ton you, temple. The one who built Jésus your dit, temple. Allons-y Jesus chez toi, say, je vais guérir ton you. Serviteur. I'll give your servant. Mais non, je ne suis pas digne no, que tu viennes chez moi. For you to come in my house. Dieu God accorde de la valeur à ceux qui sont reconnaissants. Gives value to those people who are des gens qui sont reconnaissants. And appreciate what he's doing. Donc, quand tu le loues, il when descend parce que tu es en train d'exprimer ta reconnaissance. You are expressing your thanksgiving. Tu es en train d'exprimer ta reconnaissance. You tu apprécies ce qu'il a fait you pour toi. What he has done for you. Et s'il a fait quelque chose pour and toi, yet, if he has done something for you, tu ne dois pas hésiter à lui donner you tout. Shouldn't hesitate to give him everything. Même ce qui te reste, la even dernière chose qui left, te reste. The last thing quand c'est pour left, le Seigneur, if it is for the Lord, parce qu'il peut te le because redonner. He can give it back to you. Anne dit, si tu me donnes un enfant, Anna je te le redonne. If you give me a child, I will give it back to you. Dieu lui a donné un enfant God rapidement. Mais quand elle n'avait pas fait cette quickly, prière, Dieu n'a pas fait cela. But till she did that prayer, God never moved. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Can you rise up now with me? Moi, je suspecte cette acclamation. Elle n'est pas chaleureuse. This clapping is suspicious même for me. Même acclamer Dieu, c'est une action de grâce. Even clapping for God is a way of giving thanks to God. Est-ce que tu peux dire avec moi? Merci, Seigneur. De tout mon cœur, je te dis merci. La main. Dis merci au Seigneur. Merci, oh. Seigneur. Merci Jésus, merci de tout mon cœur. Alléluia, 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 Jésus-Christ. Il convient de te dire. Merci. Est-ce que c'est un médaille? Voici. Alléluia. Il convient de te dire. Remène les mains sur ton corps. Il convient de te dire. Rabababababababa. Merci, il convient de te dire
Papa.